Chers amis, je tiens à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Irakodesh, la ville sainte. Notre parashat Re'eh, vois. Je te donne devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, quand tu écouteras les mitzvot, les ordonnances de l'Éternel ton Dieu. Et la malédiction, si tu n'écoutes pas les ordonnances de l'Éternel ton Dieu. Il y a deux termes différents. Dans la bénédiction, c'est écrit « Et abracha asher tishmeu ». J'ai traduit la bénédiction « Quand vous écouterez ». Asher, quand. Dans la bénédiction, c'est écrit la bénédiction « Im lo tishmeu », si vous n'écoutez pas. Pourquoi la Torah a-t-elle utilisé deux termes différents? Dans la bénédiction « Quand » et dans la malédiction « Si ». Pour répondre à cette question, il faut expliquer un peu quel est le sens de cette bénédiction qu'on reçoit. Tous les endroits de la Torah où on parle de bénédiction, on parle de bénédiction terrestre. Il y aura la richesse, il y aura la pluie, il y aura la sécurité, etc. Or, c'est clair que le mérite des mitzvot, ce n'est pas dans ce monde-ci. C'est un mérite infini. Infini, 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 c'est inimaginable. Pourquoi Dieu nous payerait-il ici le mérite de nos mitzvot alors qu'on fait des choses qui ont un impact qui est divin, c'est une ordonnance divine? Divin, c'est infini. Pourquoi est-ce que Dieu nous paierait ici dans ce monde qui est fini? Aussi, deuxième question, pourquoi est-ce que Dieu devrait même nous donner un mérite? Le Magid de Douvna, c'est un grand rabbin qui est environ 3 siècles, il donne beaucoup d'exemples. Il donne l'exemple suivant. Un jour, le roi décide de partir dans son carrosse, aller faire un tour dans la ville. Et tout à coup, il voit dans la rue comme ça un enfant indigent, habillé en haillons. Mais il est bon, il a l'air bien. Alors il appelle. Le garçon vient tout accouré devant le roi. Il dit « Dis-moi où tu habites ? » ?»« J'habite dans la rue. » « Mais tu dors où ?»« Je dors sur les bancs publics. » « Et comment tu fais pour manger ?»« Je vais dans les poubelles et je cherche à manger. » »« Est-ce que les gens laissent dans la poubelle ? » ?»« De ça, je me nourris. » »« Et quel habit tu as ?»« J'ai pas besoin d'habit, j'en ai un seul, il me suffit. » Le roi était attendri par ce garçon et il a dit « Ok, viens, monte dans le carrosse. » Dans le carrosse, il dit « Renavant, tu habiteras chez moi au palais. Je te donne une chambre, tu mangeras tous les jours à ma table. » Et un peu plus tard, le roi lui dit « Tu sais, j'ai une fille à marier et je veux te la donner en tant que femme. » Le garçon dit « Bon, je dois réfléchir à la question. Est-ce que ça vaut la peine pour moi et combien je recevrai d'argent si je deviens votre gendre, etc. » Le roi s'énerve, je comprends pas, je t'ai sorti d'où tu étais, je t'ai amené à mon palais, tu manges à ma table, et je te donne maintenant ma fille, tu poses encore des questions, combien d'argent tu peux recevoir? Alors je vois que je me suis trompé, t'es vraiment pas un bon garçon, oust, dehors. De même, à Israël, on était des esclaves dans les conditions les pires imaginables de l'esclavage en Égypte. Et Dieu nous sauve d'Égypte, et nous fait son peuple, nous donne sa Torah, nous fait le peuple le plus grand du monde, le peuple élu, qu'on est son peuple adoré. On va encore demander maintenant du mérite. Regarde, t'as reçu la plus grande chose qu'il puisse y avoir. Qu'est-ce que tu demandes encore? Comment tu vas recevoir, etc. Alors, deux questions. Un, comment ça se fait qu'on ait du mérite ici, dans ce monde-ci, alors que ça n'a aucun rapport avec les mitzvotes que nous faisons, dont le mérite doit être infini? Et comment se fait-il, en plus, qu'on doit recevoir un mérite? Ça suffit d'être déjà, on devrait être choisi par le roi des rois. Là aussi, le Magid Douvna donne un autre exemple. Il dit... Un jour, un commerçant va dans une ville et achète là-bas plusieurs rouleaux de soie, de tissu de soie, et veut les amener dans sa ville. Alors, il discute avec un charretier, lui dit combien ça va coûter d'amener tous ces tissus de soie, c'est quelques jours de route, jusque dans ma ville. Il fixe un prix. Ok. Et donc, le charretier commence à prendre les rouleaux de soie et les met dans son char, dans sa charrette. Et le commerçant envoie tout d'un coup dans la charrette, il y a deux casseroles. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, ben, c'est une soupe et un plat. Mais pourquoi? Il dit, ben, vous, cher ami, vous êtes riche. Alors, quand vous avez sur la route, vous avez faim, vous descendez, vous arrêtez la charrette, vous allez dans une auberge, vous mangez bien, vous reprenez. Mais moi, j'ai pas le moyen de me payer un repas dans l'auberge. Alors, ma femme a préparé deux casseroles et je mange cela. Le commerçant dit, non, mais ces casseroles-là, c'est certain avec tous les chocs qu'il y a dans le chemin, elles vont se verser sur mes rouleaux de soie et c'est fichu. Et le charretier dit, oui, mais j'ai pas le choix, on a quand même bien mangé. Le commerçant dit, tu sais quoi, je t'invite, c'est moi qui te paye tous les repas dans les auberges, tu mangeras chaque fois avec moi. Ok, le charretier, il accepte. Et comme ça, ils partent. Ils arrivent
après quelques heures, déjà, ils ont faim, ils descendent de l'auberge. Effectivement, le commerçant invite le charretier et lui paye tout le repas à l'auberge. Mais le charretier, tout d'un coup, il a eu un doute. Peut-être que maintenant, c'est la somme qu'il me paye à l'auberge, en fait, il va déduire du prix qu'on a convenu. Alors, il en parle au commerçant. Il dit, non, ça c'est le prix qu'on a convenu, c'est le prix qu'on a convenu. Ça, c'est pour que tu puisses mieux travailler sans gâcher mes tissus. C'est moi qui te paye l'auberge. Idem exactement ce qui concerne le mérite qu'on reçoit dans ce monde-ci. Ce n'est pas une récompense de nos actions. La récompense, elle est infinie. Elle est Dieu lui-même. C'est inimaginable et on ne peut pas l'écrire. Mais Dieu veut qu'on puisse être tranquille pour pouvoir faire le mitzvot. Comme le commerçant qui a payé les repas au charretier pour ne pas qu'il gâche ses tissus, là aussi Dieu va nous aider dans notre vie ici sur terre, va donner la richesse, va donner la sécurité, va donner la pluie, etc. pour qu'on puisse tranquillement étudier sa Torah, prier, se rapprocher de lui, faire l'essentiel du but de notre vie ici et pas s'occuper d'autres bêtises qui n'ont aucun sens par rapport à l'infini. Donc ce n'est pas un mérite, c'est une aide du ciel pour pouvoir bien faire notre travail. C'est pour cela que la Torah va nous dire, en ce qui concerne la bénédiction, sache, c'est pas ton mérite, c'est quand tu vas écouter mes mitzvot, donc tu vas les pratiquer, alors tu auras la bracha, tu auras la bénédiction. Quelle bénédiction? Terrestre, pour que tu puisses continuer et amplifier les mitzvot, l'étude de la Torah, etc. C'est pas une condition. C'est quand tu feras cela, tu auras cela. Par contre, en ce qui concerne la malédiction, là c'est le mot im, si. Si tu m'écoutes pas, tu ne feras pas mes mitzvot, dans ce cas-là, alors tu n'auras pas droit à toute l'aide de bénédiction que je vais te donner, et alors tu auras beaucoup de malheur ici sur terre. Donc, chers amis, il ne faut pas oublier que l'essentiel de notre vie sur terre, ce n'est pas le mérite terrestre, c'est le mérite céleste. Comme écrit Stipler dans son livre, qu'est-ce que c'est que le mérite infini? Imaginons qu'on remplisse un appartement de 10 cm de sable. Combien de grains de sable il y a? Des millions. Et si on remplit maintenant toute notre rue de 10 cm de sable, des millions de millions. Si on remplit toute la Terre de 10 cm de sable, c'est des milliards de milliards de milliards. Et si on ne remplit pas 10 cm, mais 100 mètres de haut de sable, on vide tous les mers, on met du sable partout, combien il y aura de grains de sable? Un chiffre inimaginable. Et tous les 100 ans, vient une fourmi et prend un grain de blé et l'amène dans son trou. Combien de temps ça prendra pour qu'elle prennent tous les grains de sable, c'est inimaginable. Eh bien, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que l'infini. Chers amis, on fait une mitzvah. Maintenant, pour ma période des vacances, combien c'est dur de faire des mitzvot, combien c'est facile de faire des péchés. Chazal dit, faites le calcul, combien tu peux mettre dans la balance, combien tu perds avec un péché, combien tu gagnes avec une mitzvah. Une mitzvah qu'on fait, on reçoit un mérite infini. C'est ça le vrai amour que Dieu a pour nous. À tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de mitzvot, plein de sainteté, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, amen. Shabbat Shalom, on vous voit.